ce théâtre. Pour les sportifs, c'est un peu le théâtre des rêves, pour ceux qui ont la référence. Alors moi, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Nous sommes donc mardi 14 novembre et nous enclenchons donc le premier talk show sport pour les PPA Sport et... Et ISFJ, journalisme de sport, c'est la première année que nous organisons ce talk show. C'est un événement exceptionnel qui a été organisé par PPA sous l'égide de Valérie Briançon que vous pouvez et applaudir. Et ISJ. ISFJ. J, pardon. École de journalisme. Applaudissez alors, merci. Valérie Briançon, non, s'il vous plaît. Non, 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 également, donc juste, alors, ils ne me connaissent pas encore. C'est ils le premier d'une longue série, c'est le premier talk show d'une longue série. Chaque mois, vous allez avoir des rendez-vous comme celui-ci. Chaque mois, vous allez avoir des rendez-vous comme celui-ci, au cours desquels vous allez pouvoir vous nourrir des réflexions, des débats, des échanges de spécialistes du sport, de spécialistes qui vont pouvoir vous éclairer sur ce qui constituera finalement votre future activité. Ils vont vous donner des clés, ils vont vous donner des chiffres, ils vont vous donner des infos, ils vont débattre, ils ne seront pas forcément d'accord, ils vont vous solliciter pour participer, pour poser des questions. L'idée, c'est que vous puissiez vous construire des repères, vous puissiez vous construire toute une galerie de réflexions. Et aussi, évidemment, et c'est très important, en face de vous, vous aurez des professionnels qui seront aussi le début de votre réseau. Donc ces rendez-vous ont été créés pour vous, ces rendez-vous ont été créés parce que vous le méritez, mais aussi parce que vous allez grandir, évoluer dans ce milieu du sport. Donc ces rendez-vous, il ne faut absolument pas les manquer. Il faut y être avec énergie, avec passion, avec interaction. Ce théâtre, il a été réservé pour vous. C'est une salle qui se veut à l'image du talk show, une salle aussi où on est dans un spectacle d'information. Donc ce spectacle, à condition qu'il soit de bonne tenue, il est important que vous y participiez. Donc préparez vos questions, soyez pertinents dans ce que vous allez pouvoir demander aux différents interlocuteurs, à chaque fois des invités prestigieux, animés par des journalistes de sport, animés par des journalistes de profession et en activité. Donc autant de relais, de réseau pour vous construire votre carrière et enrichir votre formation. Donc ces rendez-vous sont impératifs, incontournables et très importants. C'est une chance à laquelle vous pouvez assister. C'est une chance dont vous bénéficiez. Donc je vous demande de prendre la pleine mesure de ce qui vous attend aujourd'hui et ce qui va vous attendre toute l'année. Ça ne doit pas être une contrainte, ça doit être une joie, une fête, d'où le théâtre. Et vraiment, vraiment, je vous demande d'avoir l'énergie nécessaire pour participer pendant, on va dire, deux fois une heure et demie. Il y a deux tables rondes, Valérie. Est-ce exactement que tu peux nous les décrire pour ce matin, donc, il y aura deux tables rondes. Donc, je te remercie, donc, Ludovic. Vous avez l'opportunité de rencontrer aussi donc, des jeunes journalistes, puisque tu as une vingtaine de journalistes qui se préparent pour devenir des journalistes spécialisés dans le sport et qui auront l'opportunité de venir faire des interviews aussi avec tous nos grands journalistes seniors, dont je vais appeler aujourd'hui... nous avons la chance d'en rencontrer deux très grands, une femme qui est extrêmement importante dans le milieu et en même temps qui inspire beaucoup de ses consoeurs journalistes. Je vais t'appeler Géraldine Ponce. Vous pouvez l'applaudir. C'est une maman, c'est une intervenante, c'est une experte, c'est une journaliste, c'est un décideur dans les médias. Géraldine, peux-tu te présenter en une minute? Ok, en une minute. Donc, je m'appelle Géraldine Ponce. J'ai commencé le journalisme il y a 27 ans. Hein, ça ne me rajeunit pas. Voilà, j'ai un peu tout fait. Des news. J'ai commencé en news à LCI, TF1 au service des sports. Et je suis à Eurosport depuis 2001 maintenant, voilà, où j'ai un peu tout fait. J'ai présenté, j'ai animé beaucoup d'émissions, j'ai fait des sujets. J'ai été reportrice, j'ai commenté le patinage, l'équitation, des choses comme ça. Et aujourd'hui, je suis passée de rédactrice en chef et donc directrice. Je gère toute l'antenne. Une trentaine de journalistes CDI, une centaine de consultants, une centaine de pigistes. Et on a pas mal de droits, et notamment les Jeux Olympiques à venir l'année prochaine jusqu'en 2032, parce qu'on a les Jeux jusqu'en 2032. Donc vous imaginez, on a 10 chaînes à faire, plus tous les flux digitaux. On a à peu près 50 personnes par jour qui vont commenter. Enfin bon, c'est colossal. Donc voilà, beaucoup de travail et moi, ce que je fais, c'est tout. Et je ne fais pas de sport. Oh, j'ai honte, j'en fais très peu, mais bon, j'en parle suffisamment, donc ça va, ça compense.
En tout cas, merci Géraldine, parce que tu nous fais confiance et tu es avec nous depuis 3-4 ans, depuis cette belle rencontre qu'on a pu avoir. Et on te remercie parce que pour le lancement de ce premier talk show, on est d'autant plus honorés de t'avoir avec nous. Deuxième donc, journaliste qui va donc, beaucoup nous apporter également et d'autant plus aujourd'hui avec le thème de ce premier talk show, c'est Arnaud Bordelais, que je vous demande d'applaudir. Arnaud, grand journaliste, grand expert dans le rugby. En même temps, pur hasard, quand on s'est rencontrés, Arnaud, c'est grâce à Ludovic, mais qu'on va appeler tout à l'heure, tu travailles avec Géraldine. Alors, en une minute, je suis rapide. Ça va être beaucoup plus rapide que Géraldine, parce que je ne suis pas un homme de télé, contrairement à elle, donc je suis meilleur à l'écrit qu'à l'oral. Je travaille à Midi Olympique, donc, qui est le journal de référence du rugby. Donc, effectivement, on a eu une activité intense ces deux derniers mois. Et en parallèle de ça, je suis donc consultant pour Eurosport. On a eu la chance d'animer avec Géraldine pendant plusieurs années une émission tous les vendredis soirs sur les antennes d'Eurosport. Et maintenant, je m'occupe de développer aussi les contenus digitaux spécifiques rugby pour Eurosport et Discovery. Voilà, je n'ai pas été trop long. Avant qu'on puisse donc applaudir nos grands invités du jour et du matin, je voudrais qu'on applaudisse et qu'on fasse venir toute la team qui organise avec nous cette année ces talk shows et puis toutes ces années d'expérience qu'on va faire ensemble dans le business du sport. Et donc d'abord, monsieur Antoine Terry. Il mérite vos plus d'applaudissements, allez, plus d'énergie, allez! Le deuxième grand homme de cette journée, de cette année, de l'ensemble, c'est monsieur Ludovic Barthes. La team ne serait pas au complète si je ne faisais pas venir à nos côtés la première personne que vous avez rencontrée. Tous et toutes, quasiment, monsieur Cédric Arès. Cédric Arès, donc l'homme du premier contact. Cédric, un petit mot ? Eh bien, bienvenue à tous. Et puis donc dans la team, on a aussi une autre femme qui organise donc avec nous, avec Ludovic, avec l'équipe, toutes ces rencontres, toutes ces expériences, toutes ces sorties, tous ces voyages qu'on va pouvoir peut-être faire à Londres, à Barcelone ou je ne sais où, avec les teams PPA Sport, Ouliana Taïeb. Vous l'avez compris, il est temps maintenant d'appeler nos invités, nos grands invités du jour. Mais néanmoins, si vous avez des idées, des envies d'aller justement faire des voyages, des business trips, d'aller au cœur des coulisses des plus grands acteurs du monde du sport, que vous soyez PPA Sport, que vous soyez ISFJ, n'hésitez pas à nous faire donc des propositions. N'hésitez pas, donc vous connaissez peut-être des personnalités aussi que vous avez envie de mettre sur scène qui puissent donc justement apporter leur témoignage. N'hésitez pas à nous faire des propositions. Vous avez envie de faire des visites de structures particulières, d'aller sur des événements particuliers. N'hésitez pas à nous faire également des demandes. On est aussi là, comme l'a très justement dit Ludovic, pour vous permettre de vivre vos meilleures années, j'espère, au sein de nos écoles. En tout cas, il est temps d'appeler donc nos deux invités. Monsieur Thomas Lombard, directeur du Stade français, vice-président de la Ligue nationale de rugby, international de rugby, enfin, il va se présenter encore mieux que moi, et je ne pourrai le faire. Thomas, je te laisse le micro. Merci Valérie. Bonjour à tous. Salut. Je suis un ancien joueur de rugby. J'ai travaillé également un petit peu dans les médias, sur Canal+, à la radio RMC. Et je suis actuellement, depuis 2019, le directeur général du Stade français. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que tout le monde a fait l'intro. Merci beaucoup Valérie, ils sont tous présentés, tout a été fait, donc je vais couper toute mon introduction. C'est pas grave, ça arrive. En tout cas, on a la chance d'être avec deux grands observateurs, deux grands connaisseurs du rugby français et international.
pour lancer donc ce premier talk show avec cette première table ronde. Donc on va faire nous un petit bilan sportif de la Coupe du Monde de rugby, puisque PP a été partenaire de cette compétition. Un bilan à la fois sur les médias aussi, bilan médiatique, bilan populaire. Et puis le plus gros, ça sera le bilan sportif. Est-ce qu'on a réussi cette Coupe du Monde? Quelles sont les équipes qui se sont révélées ou pas? Qu'est-ce qu'on retiendra? Bref, quel enseignement il faut tirer de cette compétition? Que faut-il revoir? Voilà, bah, vous nous donnerez, messieurs, votre sentiment, votre avis sur toutes ces questions. Et puis on gardera quelques minutes dans la salle pour répondre à vos questions. Donc comme le disait tout à l'heure Ludovic, effectivement, aiguisez vos questions, préparez-les. Je me tournerai évidemment vers ceux qui sont en école de journalisme. Ça sera à vous aussi de trouver les bonnes questions à poser à nos invités. En tout cas, je vous laisserai 5-6 minutes pour en parler. On va commencer tout de suite avec cette première question avant d'entrer dans le vif du sujet, mais question d'ordre général, Thomas. En quelques mots, quel bilan vous dressez de cette Coupe du Monde? Est-ce que c'est un échec? Est-ce que c'est un succès? Et pourquoi? Belle première question. Je dirais que sportivement, c'est un échec. Économiquement, on va être fixé rapidement, mais je pense pas que ce soit une Coupe du Monde qui rapporte beaucoup d'argent au rugby français. Et d'un point de vue populaire, c'est un formidable succès. Voilà, médiatique, populaire, en termes d'engagement des fans, ce qui s'est passé dans les stades, ce qui s'est passé devant les écrans de télévision, l'énergie que cette équipe de France elle a été capable d'amener à toute une nation. Et en termes de nouveaux publics, puisque c'est quelque chose qui est très important pour tous les sports en général, mais le rugby particulièrement, c'est d'intéresser des nouveaux publics, de renouveler un peu notre base, des jeunes comme vous. Et donc là il s'est passé vraiment un truc. Alors, on n'a pas été au bout, puisqu'on a été sorti en quart de finale et qu'on s'est aperçu que dès l'élimination de l'équipe de France, le soufflet est retombé. Mais je dirais que c'est le grand point positif, si on parle que de la Coupe du Monde. Ouais, juste pour rebondir sur les propos de Thomas. Ouais, j'apporte un petit bémol, même si Thomas a commencé à l'aborder. Effectivement, on a senti quand même après les quarts de finale le soufflet vraiment retomber, notamment pour les passionnés de l'équipe de France qui ont été extrêmement déçus et qui se sont un peu désintéressés de la compétition sur les demi et sur la finale. En témoignent les audiences de TF1 qui espéraient peut-être battre le record d'audience réalisé par l'équipe de France de foot. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2022, la finale France-Argentine avait réuni 24 millions de téléspectateurs. C'est le record historique de la télé française. Et le premier match de l'équipe de France de rugby contre les All Blacks avait réuni 16,5 millions de téléspectateurs. Donc on était sur des standards très élevés. Et c'est vrai qu'à TF1, par exemple, ils espéraient atteindre ce même chiffre de 24 millions si toutefois l'équipe de France parvenait en finale. Donc on a vu, effectivement, avec les audiences des demi et de la finale qui ont été légèrement inférieures, qu'il y a eu vraiment un soufflet qui est retombé. Voilà, c'est le seul bémol. Mais sinon, je partage l'intégralité de l'analyse de Thomas. Alors, on va rester sur les Bleus d'abord avec cette question. Thomas, c'était la 10e Coupe du Monde de rugby, la seconde en France, et toujours pas de titre pour les Bleus. Vous l'avez évoqué, mais vous allez en revenir. Est-ce que c'est vraiment un échec, cette compétition, pour le 15 de France? La compétition en tant que telle, oui. Puisque voilà, perdre en quart de finale, c'est pas une des meilleures performances, loin s'en faut, de l'équipe de France. Et puis je pense que, et alors là on va pas parler d'échec, on va parler de succès. Je pense que l'ascension de cette équipe de France au cours des 2-3 années qui ont précédé cette Coupe du Monde, elle est en tout point remarquable. C'est-à-dire qu'on bat toutes les équipes, notamment les Néo-Zélandais, les Sud-Africains, un an avant cette Coupe du Monde. Donc on est en fait dans les meilleures dispositions pour l'emporter. Et d'ailleurs, quand on démarre cette Coupe du Monde, on est l'équipe qui est favorite. On organise la compétition. On sait que l'équipe qui organise la Coupe du Monde, elle a toujours un petit supplément par rapport à ses concurrents. Et on pense surtout qu'elle est souvent très bien arbitrée. Elle est très, on en reparlera. Normalement, elle est très bien arbitrée. Et puis, voilà, il y a une énergie populaire, etc., qui se crée derrière cette équipe. Pour moi, il y a une bascule qui s'opère quand on bat la Nouvelle-Zélande. Et ça, c'est symptomatique d'une nation qui
s'emballe dès qu'une équipe performe, mais qui n'a pas forcément une connaissance du sport pour appréhender, je dirais, la performance sur simplement un événement. Alors on bat une équipe de Nouvelle-Zélande et en fait d'un statut d'une équipe qui était favori pour encore porter la Coupe du Monde, on passe à un autre statut qui est on va gagner. On avait gagné la Coupe du Monde, quoi. En tout cas on était en finale de Coupe du Monde. Sauf que si on analysait la compétition au départ, il y avait trois matchs à gagner. Le premier, et encore le premier contre la Nouvelle-Zélande, qui était intéressant à gagner et important à gagner par rapport à la dynamique. La demi-finale et le quart de finale, pardon, et la finale. Puisqu'on pouvait partir du principe que si la construction du calendrier faisait qu'on allait affronter en demi-finale une équipe qui était dans l'autre partie du tableau, qui était beaucoup plus faible. Donc il fallait gagner éventuellement les Blacks, le quart de finale contre l'Afrique du Sud ou l'Irlande, et ensuite la finale. Sauf que, dès qu'on a eu battu les Blacks, on a changé. Mais ça, c'est pas l'équipe de France qui a changé ce statut-là. C'est plutôt, quelque part, les médias. Ou le peuple, les supporters français qui ont aussi donné ce rôle-là. Les joueurs, ils y sont pour rien, quelque part. Ils n'ont pas assumé la pression. Ils y sont pour rien, mais on a opéré on a remarqué un certain nombre de changements dans les postures médiatiques du sélectionneur. Et puis les joueurs, ils sont comme vous et moi. Hein, et quand ils rentrent dans l'entraînement, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent dans leur chambre, ils allument la télévision, ils lisent la presse, bien qu'ils s'en défendent, mais ils lisent tous la presse, ils vont sur les réseaux sociaux. Et là, ils voient le flot de commentaires dithyrambiques à leur égard. Et donc, les mecs, ils sont quand même influencés par ça. Et même si en interne, on dit attention, il reste ci, il reste ça. Et on le voit. On bat la Nouvelle-Zélande, après on fait un match médiocre contre l'Uruguay, et on n'arrive pas à retrouver une équipe de France qui maîtrise son rugby. Alors oui, on gagne parce que c'est des adversaires qui sont de calibre inférieur à celui de l'équipe de France, mais on se présente en quart de finale face à une équipe d'Afrique du Sud qui, elle, a été en régulière, peut-être même un peu en montée, qui est solide sur les fondamentaux, qui est championne du monde en titre. Et qui nous renverse, quoi. Et alors que les autres équipes, notamment la Nouvelle-Zélande de la poule, qui ont perdu contre nous, eux, ils ont été sur une forme qui a été exponentielle durant toute la phase de poule, ce qui n'a pas été le cas pour nous. On a manqué. Ouais, deux petites choses. Je voulais rebondir sur ce que disait Thomas. Thomas disait que il y avait trois matchs à gagner. Il disait éventuellement le match d'ouverture. Je partage en partie. Moi, je pense qu'il fallait vraiment le gagner. Alors, certes, sportivement, il donnait pas de garantie plus qu'une défaite. De remporter ce match, ça donnait pas plus de garantie puisque les deux premiers de poule étaient qualifiés pour les quarts de finale et qu'on savait que derrière, avec des adversaires comme l'Uruguay, la Namibie ou l'Italie, on avait cette capacité à terminer au moins deuxième, même si on perdait le match d'ouverture. En revanche, il était important de le gagner. Pourquoi ? Parce que c'était le premier match de la compétition et ça a permis de lancer la compétition, notamment au niveau de l'engouement populaire. J'imagine que Thomas en convient. Et c'est ça qu'a fait, c'est ce premier match qui a permis finalement à l'équipe de France d'obtenir un soutien, non pas des supporters du rugby, mais des Français dans leur intégralité. C'est ça qui a permis que, finalement, le bilan de cette Coupe du Monde, il est positif en termes de l'engouement populaire. Après, là où je veux développer ce que Thomas disait, parce qu'il parlait notamment de la sémantique du sélectionneur Fabien Galthié. Je ne sais pas si vous lisiez les journaux en amont de ce match d'ouverture. Fabien Galthié avait dit qu'il y avait effectivement trois matchs à gagner. Mais lui, il n'a pas parlé de match, il a parlé de finale. Il a parlé de finale. Il a dit « on a une première finale à gagner ». Et du coup, inconsciemment, les joueurs ont pris ce match comme une finale parce qu'on leur a rabâché à longueur de journée qu'il fallait absolument gagner ce match parce que c'était une première finale. Alors c'était vrai sur l'engouement populaire, mais ce n'était pas vrai sportivement. Et sauf que du coup, derrière, il y a eu un emballement populaire, médiatique également, puisque, on ne va pas se mentir, mais les médias avaient tout intérêt à ce que cette équipe de France soit championne du monde. On en parlera un petit peu plus tard. Et forcément, ça a joué sur l'inconscient collectif, ça a joué au sein du staff, ça a joué au sein du groupe des joueurs, ça a joué chez les supporters de rugby et même dans tout le pays. Je sais pas si on parle d'inconscient, si on parle d'inconscient, moi je veux bien, effectivement, il y a eu ce premier match, on l'a gagné, et peut-être qu'ils se sont mis la pression et qu'ils se sont sentis peut-être trop beaux tout de suite. On n'a quand même aussi pas eu trop de bol, quoi. J'ai Ntama qui se blesse avant la compétition. Dupont, est-ce que c'est la bascule, la blessure de Dupont? Parce que beaucoup
regardez aussi Antoine Dupont comme le leader de cette équipe, sur lequel on compte, etc. Est-ce qu'on peut dire qu'on a, dans le sport, il y a une partie de chance qui joue quand même? On n'a pas eu de chance. Je ne parle pas de l'arbitrage, on y reviendra après. On peut dire qu'on n'a pas eu de chance. Il y a beaucoup d'autres pays, l'Afrique du Sud en fait partie, hein, qui a été décimée par les blessures durant la compétition. Ça ne les a pas empêchés de l'emporter. Après, je rebondis sur ta question. Moi, j'ai trouvé indécent ce qui s'est passé autour d'Antoine Dupont. Le rugby, à quel niveau ? Au niveau du fait qu'on a eu l'impression qu'il n'y avait plus d'équipe de France s'il n'y avait plus Antoine Dupont. On a eu l'impression qu'on ne pouvait plus gagner la compétition si Antoine Dupont ne jouait pas. On a eu l'impression que la seule chose qui intéressait les Français, c'était de savoir si Antoine Dupont allait jouer cette... Ça a occulté tout le reste. Et ça, c'est très mauvais dans un sport qui communique avant tout sur l'équipe et non pas sur l'individu. C'est, je pense, aussi très difficile à vivre pour l'intéressé, qui est tout sauf une star, qui est tout sauf un héros, même si c'est un héros pour le rugby français, c'est le meilleur joueur du monde, mais c'est tout ce qui dégage, tout ce qui cultive, c'est l'antithèse de ça. Et voilà, j'ai regretté, j'ai pas aimé ce moment, et je me suis mis à la place, enfin j'ai essayé de me mettre à la place de son remplaçant, Maxime Lucu. Et le mec, il a dû vivre 3 semaines affreuses, quoi. C'est-à-dire que c'était un tocard, personne parlait de lui. Et tout le monde attendait le retour de l'enfant prodigue, Antoine Dupont. Ouais, d'accord, mais enfin, Maxime Lucu, à chaque fois qu'il a joué, il a fait des très bons matchs, quoi. Il faut respecter ça. C'est totalement vrai ce que dit Thomas. C'est vrai que le journaliste qui a beaucoup écrit sur Antoine Dupont. Mais c'est vrai, mais je vais donner une explication. Et Thomas connaît très bien Bernard Laporte. Bernard Laporte, c'est l'ancien président de la Fédération française de rugby. Il a été élu en 2016 et il a voulu refaire. C'était une période où le rugby français était quand même dans le creux de la vague, pour ne pas dire tout au fond même du trou. Et il avait une ambition, c'était de remettre l'équipe de France tout en haut de l'affiche. Pour ça, il a donné beaucoup de moyens à l'équipe de France, à son sélectionneur, et il a voulu que ce sport soit incarné. Il disait, au moment de son élection en 2016, que les rugbyman les plus populaires de France pouvaient descendre les Champs-Élysées, que personne ne pourrait les reconnaître à part leur mère. Et c'était vrai. Et que malheureusement, le rugby, le sport en général, a besoin d'incarnation. On a besoin de joueurs qui incarnent le sport. C'est vrai en football, je ne vous apprends rien, Mbappé, c'est la tête d'affiche du football. En rugby, on n'avait pas de tête d'affiche. Et cette tête d'affiche, elle est arrivée avec Antoine Dupont, qui sportivement a été élu meilleur joueur du monde en 2021, qui intellectuellement est une personnalité assez remarquable, qui force un peu l'admiration, non seulement des supporters de rugby, mais aussi des Français qui l'ont découvert pendant cette Coupe du Monde. Et évidemment que nous, les médias, on s'est servi de ça pour faire monter nos audiences, parce qu'on a bien compris que les Français avaient un attachement très fort. Je vous donne juste un chiffre. Antoine Dupont s'est blessé contre la Namibie un jeudi soir à Marseille. Le lendemain, on apprend qu'il va être opéré finalement assez rapidement. Entre le moment où on annonce en exclusivité sur Rugbyrama, un petit coup d'autopromo Thomas, à partir de ce moment-là où on annonce cette opération, et le lendemain, donc 24 heures plus tard, on fait sur les articles qui concernent Antoine Dupont, 7 millions de pages vues en 24 heures. Ça n'était jamais arrivé parce que Antoine Dupont a cristallisé toutes les attentions. Après, je rejoins Thomas sur l'analyse, effectivement. C'est dur pour Maxime Lucu qui est derrière. C'est dur peut-être collectivement. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est au sélectionneur, c'est au staff de l'équipe de France de gérer ça. Et je me pose la question, et j'aimerais bien que Thomas y réponde d'ailleurs. Est-ce que finalement, le sélectionneur, par son management d'Antoine Dupont, n'a pas aussi créé, quelque part, ce contexte qui a permis à Antoine Dupont de devenir, finalement, la star un peu esselée du 15 de France? On touche aussi, après, la complexité des individus. Hein. Dans cette équipe de France, il y a 2 stars. Enfin, il y en avait 3 avant. Il y avait Bernard Laporte, il y avait Fabien Galthié, il y avait Antoine Dupont. Bon, Bernard Laporte étant plus là, il n'y en a plus que 2. Fabien Galthié et Antoine Dupont. Pour moi, la vraie star... Si on parle de star, et j'aime pas le mot star, mais celui qui a le plus de potentiel pour devenir une star et qui va se vautrer là-dedans, et c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est Jalibert. Jalibert, il ressemble à un joueur de football, avec tous les attributs d'un joueur de football.
Et lui, la médiatisation, il aime ça. Le star system, il aime ça. Donc il peut contribuer à faire passer le rugby dans une dimension qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. Après, chacun sa position. Mais Antoine Dupont, c'est le mauvais cheval. Si tu veux faire du foot, si tu veux faire de la starisation, il ne faut pas prendre Antoine Dupont. Parce qu'Antoine Dupont, c'est l'antithèse de ça. Donc c'est une erreur. Alors après, c'est une démarche de réflexion que la fédération doit avoir, que l'équipe de France doit avoir, conjointement avec les médias, de dire voilà, il nous manque un ambassadeur où il faut qu'on crée ce qui s'est passé avec Chabal en 2007 à la Coupe du Monde. Et encore, ça n'a même pas été maîtrisé. Sauf qu'on a reproché à Sébastien Chabal de ne pas avoir un niveau de performance suffisamment élevé. Ouais, c'est-à-dire qu'on a créé un personnage, mais qui sur le terrain n'était pas irréprochable. Et c'est aussi vrai pour Mathieu Jalibert. Mathieu Jalibert a fait cette compétition parce que Romain Ntamack. Oui, mais en attendant, il est là. Et Jalibert, il a le profil. C'est un bon client, comme on dit, pour ça. Mais qui a placé... moi, je suis d'accord, c'est les médias aussi. Il fait des matchs incroyables. Dupont, c'est un super joueur. Évidemment qu'on le veut comme tête d'affiche, même si ce n'est pas le meilleur client. Mais heureusement, et grâce à lui, il y a une partie des gens aussi qui ont découvert. Et alors, tu parlais des médias. C'est identique chez nous. Quand on fait un papier sur Dupont ou une interview de Dupont, ça cartonne. Parce que les jeunes, peut-être, se retrouvent aussi en lui. Et c'est plutôt pas mal d'avoir comme référence un gars assez simple, au final. Ça change. Certains jeunes se retrouvent en lui. Tous les jeunes ne se retrouvent pas en lui. Et probablement que sur les profils de certains jeunes, ils se tourneraient plus vers Jalibert. Parce que Jalibert, c'est un homme de réseau. Parce que Jalibert, il n'a pas peur d'exposer sa vie au public. Parce que Jalibert, potentiellement, il peut sortir avec une actrice de cinéma. Je ne dis pas qu'Antoine Dupont, ça ne lui arrivera pas. Mais c'est ça aussi, la starisation et la pipolisation qu'on a au travers du foot. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire, soit le rugby, il dit « Ouais, ça, on a envie d'y aller. » Et à ce moment-là, on réfléchit et on se met tous autour de la table et on met en place une stratégie parce que c'est souvent artificiel. Soit alors on le subit. Et je pense qu'on l'a subi. Donc finalement, c'est Galtier, la vraie star. Il sort avec une star de cinéma, il fait des photos dans la presse People, il fait parler de lui. Bah, il n'a pas fait des photos, il a été pris en photo. Tu peux penser que quand tu vas au bord de la mer après une Coupe du Monde à moitié nu, tu te doutes bien que quelque part, on va te prendre en photo plus ou moins. Mais peu importe, ce n'est pas le sujet. Qu'est-ce que vous avez pensé des propos de Fabien Galtier, Thomas? La semaine dernière, il s'est exprimé dans la presse en disant qu'il a évoqué une blessure qui était assez vive encore. Mais il ne regrette rien et aurait fait tout ce qu'il a fait. Je suis pas surpris quand j'ai vu ça depuis deux ans et demi maintenant, la manière avec laquelle il a appréhendé la relation avec les médias, le positionnement un peu philosophique, un peu mystique par moments. C'est un rôle dans lequel il a été très à l'aise, mais qui est risqué. Parce que si tu perds... Ben à la fin, tu peux le reprendre dans la figure comme un boomerang. Donc il est un peu en train de le reprendre dans la figure, mais comme malgré tout, c'est un homme de médias, c'est un homme de com, il est bien conseillé, il est à l'aise dans l'exercice, il s'en sort. Et puis, le rugby, c'est un monde où on se tape beaucoup dessus, dans des univers comme celui-là, un peu clos. Mais médiatiquement, il n'y a jamais de grand déballage. C'est moins violent que d'autres disciplines, donc il va... À mon avis, il va s'en sortir. Il aurait dû partir. Non. Non, parce qu'il y a un devoir souvent. De mémoire. Pendant 4 ans, Fabien Galtier a fait quand même un boulot remarquable. Il a plus de 80% de victoires. Thomas l'a dit tout à l'heure, on a battu toutes les grandes nations en amont de la Coupe du Monde, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Australie. Donc non, il a remis, entre guillemets, l'église au centre du village, comme on dit. Il a remis vraiment l'équipe de France en haut de l'affiche. Donc pour moi, il n'y a aucune raison de se séparer de Fabien Galtier. Après, Fabien, et c'est très humain, il veut aussi il fait extrêmement attention à son image. Je prends une anecdote qui nous concerne directement, puisque ça s'est passé pendant un entraînement de l'équipe de France où on envoie nos espoirs du Stade français faire opposition. Et les gamins ne sont pas réveillés. Et Galtier arrive et il les secoue. Voilà, on va dire ça comme ça. Sauf qu'à ce moment-là, il y a un journaliste qui filme la séquence et qu'évidemment, les propos de Fabien sortent dans la presse derrière. Les propos en clair, c'était mettez-moi des joueurs de rugby, je ne veux pas des peintres. Bon, les mecs, ils ont dû faire tomber les ballons, je ne sais pas, j'étais pas là, mais peu importe. C'est pas très grave qu'un entraîneur il secoue les joueurs, quoi. Surtout quand il s'appelle Fabien Galtier et que c'est les espoirs du Stade français. Normalement, les mecs, quand ils arrivent là-bas, ils doivent, ils,
doivent être un peu prêts, quoi, un peu excités, avoir un peu envie. Donc, visiblement, c'était pas trop le cas. Et derrière, assume tes propos, c'est pas grave. On en a connu des entraîneurs qui sabraient les joueurs et autrement que comme ça, quoi. Ben non, il a fallu derrière faire toute une campagne pour expliquer que en fait c'était de l'humour, que quelle perte de temps. Quelle perte de temps. Mais voilà, ça vous permet de situer un peu le personnage et aussi l'ambiguïté qui peut parfois y avoir. Où en fait, voilà, tu veux tout assumer, tu peux pas tout assumer, alors que finalement c'est pas très grave ce qui s'est passé et tu veux être lavé plus blanc que blanc. Donc à un moment, ça finit par se voir. Après, par rapport à ce que disait Thomas, c'est vrai que Fabien Galthié est très bien conseillé au niveau de sa com. Aujourd'hui, lorsqu'il répond aux questions en conférence de presse, il se livre assez peu, il donne assez peu d'informations. Voilà, tout est timé, ça dure 20-25 minutes grand maximum. Ça fait quoi, 6-7 questions quand vous imaginez qu'il y a entre 15 et 30 médias selon les conférences de presse, c'est assez peu. Et ça, c'est un petit conseil pour les étudiants qui sont en école de journalisme. Le jour où vous allez voir quelqu'un pour lui demander de faire une interview, parfois, on a affaire à des interlocuteurs qui sont un peu réticents parce qu'il y a eu un écrit malheureux, parce qu'on n'est pas toujours d'accord. Moi, je vous donne un exemple. Hein, Thomas Lombard, il m'arrive de l'appeler parfois pour demander une interview. Il m'envoie balader gentiment parce qu'on n'a pas été d'accord. Ça peut arriver, Thomas. Et il y a un argument qui est très important et qui est très vrai. C'est-à-dire que ce qu'il faut dire à votre interlocuteur, c'est pas à vous qu'il parle. C'est à vos lecteurs. C'est aux Français. C'est à tous ceux qui vont lire cet article. C'est pas à vous qui parle. Vous, finalement, vous êtes qu'un relais, vous êtes qu'un maillon de la chaîne d'information. Et ça, c'est un argument qui est très, très important. Ça, Fabien Galthié l'a compris. Mais ce qu'il a encore davantage cerné, c'est que finalement, aujourd'hui, il n'a pas forcément besoin de la presse. Je vous donne l'exemple de la conférence de presse qu'il a livrée. Donc, c'était au Stade Charletti, au siège du Paris Université Club. En amont de cette conférence de presse, il a fait toute une opération de communication. Il a été entraîné les jeunes du PUC, évidemment, il y avait quelques caméras. Il a été donné un espèce de cours magistral aux éducateurs du PUC. Pareil. Et finalement, il a compris que les 100 gamins qui étaient sur la pelouse au moment où ils s'entraînaient avec eux, pour les gamins, c'était un rêve. Les 100 gamins, ils ont tous des parents. Ça fait déjà, allez, on va dire 400 personnes. Il a fait avec les éducateurs. Allez, en gros, il a séduit 1000 personnes. Et avec toutes les ramifications, finalement, il a parlé davantage à la France que durant sa conférence de presse. Je ne sais pas si vous suivez. Pas beaucoup de lecteurs. Pardon ? Tu n'as pas beaucoup de lecteurs au Middle, dis donc. C'est pas un problème de lectorat. C'est juste que les Français qui se sont intéressés au rugby pendant la Coupe du Monde, ce n'est pas tous des férus de rugby. Ce n'est pas les gens qui vont regarder le top 14 chaque samedi sur Canal+. Donc, lui, il a compris ça. Et aujourd'hui, Fabien Galthié, si vous faites un sondage dans la population française, je suis persuadé qu'il est à 80 ou 90% de popularité. Et Fabien, c'est un séducteur. Et quand il répond à une interview, en fait, il ne répond pas à une interview. Il vous dit ce qu'il a envie de vous dire. Alors, il va être obligé de répondre à peut-être 30% des questions. Mais le reste du temps, il les élude et il part sur ce qu'il a envie. Et ça, c'est une force phénoménale, quoi. De ne pas subir les questions du journaliste ou de l'intervieweur, c'est très fort. Et ce que dit Arnaud, c'est très juste. C'est-à-dire qu'il met tout un décorum autour pour arriver après à grosso modo, à contrôler de A à Z l'interview. Et en plus, quand on sait qu'en préambule de ça, il a dit de quoi il allait parler, il a expliqué les questions qu'il voulait à peu près entendre ou avoir. Bon, le gars, il est tout en contrôle. On revient sur cette Coupe du Monde. On parlait de l'échec sportif, échec aussi pour Fabien Galthié, qui avait un peu tous les pleins pouvoirs. Il a obtenu tout ce qu'il voulait pour cette Coupe du Monde. On rappelle qu'il a eu tous les joueurs à disposition quand il souhaitait, longtemps. Les clubs de Top 14 ont fait un gros effort, du coup, à pouvoir libérer ces joueurs. Est-ce que le fait d'avoir perdu cette Coupe du Monde en quart de finale va faire un petit rétro-pédalage aux clubs de Top 14 qui seront moins enclins, peut-être, à libérer les joueurs ou à laisser l'équipe de France faire comme elle veut? Alors, il est certain que le jour où on a l'attribution de cette Coupe du Monde, la donne change. C'est un rapport de force, si vous voulez, puisqu'on a des intérêts divergents entre les clubs et la fédération. Les clubs, ils veulent garder leurs joueurs internationaux le plus souvent possible, ce qui est légitime. Et l'équipe de France, et principalement le sélectionneur, lui, veut les avoir le plus longtemps possible pour les utiliser avec l'équipe de France et jouer le plus de matchs possible.
Mais dès l'instant où on a cette Coupe du Monde qui nous unit, finalement, on a un intérêt commun, qui est la réussite, parce que la réussite de la Coupe du Monde, elle peut avoir des répercussions énormes pour le rugby français, mais aussi pour nous, les clubs, en termes de sponsoring, en termes de remplissage de stades, en termes d'image, etc., etc. Donc là, on trouve, ce qui est assez rare, un point de convergence d'intérêt. Donc on se dit, il faut qu'on serve l'équipe de France et on va faire des efforts pour que cette équipe de France puisse avoir le maximum de chances de réussir et de conquérir pour la première fois ce titre. Il se trouve que dans le même temps, on a une génération de joueurs incroyables. Donc voilà, les planètes sont un peu alignées. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand un joueur vend en équipe de France, nous, on continue à le payer, le club. D'accord ? Donc le joueur, il vend en équipe de France, il touche son salaire à 100% du club. Il touche également un salaire en équipe de France, plus des primes de match. D'accord ? Donc pour lui, c'est quand même très intéressant, si on parle que d'argent, financièrement parlant, d'aller jouer en équipe de France. Et pour les clubs, c'est très préjudiciable, parce qu'on a une masse salariale qui est contrôlée. Donc comme quand on a des joueurs qui passent à peu près 3 mois et demi, 4 mois de l'année en équipe de France, bah, ça coûte beaucoup d'argent et on ne peut pas les remplacer. Mais ça, Thomas, pourquoi il n'y a pas de négociation sur le fait de ne bah, pas payer ces joueurs justement quand ils sont en équipe de France ? Moi, il me semble aujourd'hui nécessaire de se poser. C'est la première question qu'on doit se poser. Est-ce que à partir du moment où un joueur il est rémunéré par son club, est-ce qu'il doit être rémunéré quand il va jouer en équipe de France, avoir une double rémunération? Pour moi, la réponse est non. Qu'on lui donne une prime de match conséquente s'il remporte la victoire, bien sûr. Et pourquoi cette question n'a pas été posée? Ou alors est-ce que à la Fédé, c'est des sujets qui sont encore... Cette question n'a pas été tranchée parce qu'au moment où la convention qui régit ce genre de sujet a été signée, la Fédération et la Ligue nationale de rugby ne se parlaient pas. En plus de ça, il y a des syndicats qui viennent dans la négociation. Donc autant vous dire que les syndicats, ils vont défendre les intérêts des joueurs. Autant vous dire que la Fédération, à partir du moment où ce n'est pas en plus uniquement elle qui fournit l'argent pour indemniser les joueurs et pour les payer, eux, ils vont plutôt aller dans le sens des joueurs. Donc c'est une volonté politique commune, mais à mon avis, c'est une discussion qui doit intervenir parce que ça devient trop lourd pour les clubs. Et surtout, si je suis assez froid dans mon analyse, ben un joueur aujourd'hui, il sait que son contrat club, ben, c'est son quotidien et qu'on ne peut pas le virer, ou à moins de lui faire un gros chèque. Et donc, il va aller chercher l'équipe de France. Donc, on observe certains comportements de joueurs, c'est-à-dire qu'ils jouent à, et je vais être gentil, hein, qu'ils jouent à 70-75% en club, et qui jouent à 100% en équipe de France, parce qu'ils savent qu'en équipe de France, ben, il faut y rester. En club, ils ne peuvent pas sortir. Donc ils vont chercher aussi ce supplément de revenus. Vous êtes président de la LNR, donc c'est un sujet, j'imagine, que vous allez aborder dans les prochaines réunions avec autres partenaires de club. Le président de la LNR, c'est René Bouscatel, et moi, je ne fais pas partie de ceux... Ouais. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui discutent de la convention. C'est Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain. Vous avez des relations suffisamment proches pour pouvoir donner aussi des... Absolument. Des mais idées. J'en ai parlé avec le président du syndicat des joueurs, qui est très important, qui est très puissant dans ce... Et il est, sur le fond, il est d'accord avec moi. Mais sur la forme, bah, il est très emmerdé. Parce qu'aller expliquer aux joueurs qu'ils ne vont plus être payés alors qu'ils le sont aujourd'hui, bah, on serait dans la même situation aujourd'hui. On défendrait nos intérêts. Et on rappelle, Arnaud, que les salaires des joueurs de top 14 sont nettement inférieurs à ce qu'on voit en Ligue 1. C'est des salaires proches de 20 000 euros bruts par mois en moyenne. Juste pour être totalement complet par rapport à ce que dit Thomas, il y a quand même des mécanismes financiers qui sont actés dans la convention entre la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby. C'est-à-dire qu'effectivement, les clubs continuent de payer des joueurs qui ne travaillent pas pour eux. Je ne sais pas, imaginez un salarié qui travaille chez Nike et tout d'un coup, pendant 2 mois, il part travailler ailleurs chez Adidas ou chez Reebok. Nike continue de le payer. Donc effectivement, il y a quelque chose de pas logique dans ce système. Toutefois, il y a quand même des mécanismes financiers, c'est-à-dire que la fédération indemnise les clubs. Alors, Thomas, c'est juste pour donner l'intégralité du système. Évidemment que ça ne rembourse pas l'intégralité des salaires versés aux joueurs, mais il y a des mécanismes financiers comme une augmentation potentielle du salary cap avec des internationaux. En une minute, parce qu'on va revenir sur la question. Je suis d'accord avec toi, sauf qu'elle indemnise, la fédération indemnise les internationaux, elle indemnise les clubs. Pour la mise à disposition, avec quel argent?
Avec l'argent de qui ? De la Ligue nationale de rugby, avec l'argent des droits télé. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est de l'argent qui nous revient, mais qui aurait dû nous revenir à la base, puisque c'est nous qui le mettons à disposition de la fédération dans le cadre de cette convention. On donne de l'argent à la fédération pour qu'ils nous le rendent derrière. Donc c'est pas logique. Alors, c'est... Coupe... Non, on arrête okay, sur ce d'accord. sujet. Coupe du Monde. On est là pour faire le bilan de la Coupe du Monde, désolé. Donc, un mot sur les Bleus. Petite déception. Quart de finale, qu'est-ce qui a manqué aux Bleus ? Est-ce que c'est juste un problème d'arbitrage qui explique qu'on ait perdu ce match et qu'on ne soit pas qualifié pour la demi ? Non, parce que je pense que si c'est l'Afrique du Sud qui gagne, on a exactement le même, débat avec les Sud-Africains qui disent il y a 5 actions ou 6 actions dans le match où il s'est trompé. Donc ça, c'est pas. D'ailleurs, on l'a observé et c'est un peu dommage. Les Blacks ont fait la même chose en finale aussi. On se rend compte qu'aujourd'hui, l'arbitrage, bon, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Non, mais on peut rester sur l'arbitrage. J'ai tout comme quand on est parti sur quelque chose différent. En fait, vous l'avez jugé, cet arbitrage sur la Coupe du Monde ? Je réponds juste à ta première question. Je pense que malheureusement, c'est le match où on a eu le moins, sur les 5 ou 6 derniers matchs de l'équipe de France, peut-être même les 10 derniers matchs, où on est le plus imprécis. C'est-à-dire que les deux ballons qu'on n'attrape pas dans les airs, où on prend 2 essais, sur les matchs d'avant, on les a tous attrapés. Le dégagement en touche, on aurait dit qu'il avait un croissant à la place du pied, où il trouve une touche, c'est du jamais vu à ce niveau-là. Le coup de pied de renvoi direct. Jamais l'équipe de France. Jamais on fait des fautes comme ça. Aussi médiocre. Ça veut aussi dire que psychologiquement, à un moment, les mecs, on s'est mal préparé, quoi. Parce que les Sud-Africains, on peut leur faire tous les reproches du monde, mais les mecs, ce jour-là, ils ont joué à 100% de leur capacité. Nous, on n'a pas joué à 100% de nos capacités. Donc avant d'aller gueuler sur l'arbitre et de dire « Ouais, il s'est trompé, machin, le contre, il est parti trop tôt. » Oui, oui, d'accord. Mais enfin, si on ne fait pas ces erreurs-là, le match, on le gagne. Là. Ouais. Arnaud, c'est la fébrilité, Thomas. Comment on l'explique ? Fatigue, fébrilité, trop de pression ? C'est sûr qu'il y avait énormément de pression, mais ça, c'est au staff de gérer ce genre de paramètres. Pour le coup, il y a probablement eu des erreurs de management. On connaît Fabien Galthié. Fabien Galthié avait la réputation, avant d'être sélectionneur, lorsqu'il était manager de club, d'être un manager quand même omnipotent et parfois très dur dans la relation humaine avec les joueurs. Il s'était fait virer de Toulon, il s'était fait virer de Montpellier. Notamment, pour raison principale, c'était son management humain, parce que tout le monde reconnaissait les qualités de technicien hors pair de l'entraîneur, mais c'est vrai que dans la gestion humaine, il était très dur. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure où la compétition s'est déroulée durant ce mondial, les joueurs ont commencé à mieux cerner cet aspect-là de la personnalité de Fabien Galthié. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'équipe de France, elle se réunit pendant le tournoi à destination, elle se réunit pendant la tournée de novembre, un petit peu 3 semaines, 1 mois pendant la tournée d'été, mais elle n'avait jamais vécu avec Fabien Galthié au quotidien. Là, ils ont vécu ensemble pendant 4 mois, et donc du coup, probablement que cette fébrilité aperçue, pour avoir discuté et échangé avec quelques joueurs en off, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match d'ouverture, la première mi-temps contre la Nouvelle-Zélande, les Bleus passent un peu à côté de leur sujet. C'est presque miraculeux qu'à la mi-temps, l'équipe de France soit devant au tableau d'affichage. Et les joueurs disent que sur les dernières heures, les derniers jours, le sélectionneur leur a mis beaucoup, beaucoup de stress, beaucoup de pression et qu'ils ont eu du mal à l'absorber. Donc ça, c'est un paramètre. Maintenant, je rejoins Thomas pour expliquer cette défaite en quart de finale. Fabien Galthié s'est retranché derrière la data en expliquant qu'il y avait eu X situations de jeu qui auraient permis normalement de marquer 37 points, je crois, de mémoire. Bon, ils n'en ont pas marqué 37. Il s'est retranché derrière la data. D'autres s'en sont pris à l'arbitrage. Je crois que, pour être tout à fait honnête et tout à fait raisonnable, il y a d'autres éléments tangibles qui sont bien plus importants avant d'aller chercher ou l'arbitrage ou la data. Comme le disait Thomas, il y a ces ballons perdus, il y a ces essais. En fait, les Français ont fait une belle première mi-temps. C'est ça qui est incroyable. Ils ont mis des très beaux essais, des essais très énergivores où on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de jeu. Alors que les Sud-Africains ont marqué sur des erreurs, ils n'ont pas dépensé d'énergie et sur les 20 dernières minutes, les Français étaient cuits. Oui, je pense qu'on parle d'expérience aussi. Incontestablement. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais sur l'équipe d'Afrique du Sud qui rentre en quart de finale contre l'équipe de France, il n'y en a peut-être que un ou deux qui n'ont pas joué une finale de Coupe du Monde. Une moyenne à plus de 30 sélections. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils savent gérer ce genre d'événement. Nous. Il y en a quelques-uns qui étaient en quart de finale au Japon en 2019, qui avaient paumé.
On n'a aucun joueur qui est habitué. C'est comme en club, quand tu arrives en phase finale. Si tu arrives en phase finale, que tu as zéro joueur qui ont joué un barrage ou une demi-finale, tu paumes. Ou alors si tu gagnes, c'est un miracle. Tu paumes. Parce que c'est un niveau au-dessus dans la préparation. Donc nous, on a battu toutes les équipes, je l'ai dit tout à l'heure, on est battu toutes les équipes, mais dans un cadre de test match. Une tournée, un match sec, mais jamais dans le cadre d'une Coupe du Monde. Et c'est le très haut niveau, c'est ça. C'est-à-dire que les mecs, ils savaient mieux gérer que toi. Et la preuve, c'est que bah, eux, les ballons, ils les ont attrapés. Les petites fautes que nous, on a faites, ils ne les ont pas faites. Et ça, ça a fait la différence. Donc là, il va falloir acquérir, tirer de l'enseignement de cette Coupe du Monde pour préparer la prochaine. Ils seront peut-être un peu plus mûrs, prêts, pas chez eux, moins de pression. OK pour les Bleus. On va parler d'autres équipes rapidement. Il y en a aussi qui ont déçu. Je pense à l'Irlande, notamment. L'Australie. Comment vous expliquez qu'ils soient complètement passé, alors l'Australie typiquement complètement passé à côté de cette Coupe du Monde. Bah, l'Australie, c'est le rugby à 15 en Australie, c'est un sport mineur, puisque devant il y a le rugby à 13, il y a l'Australian Rules, qui sont des sports beaucoup plus populaires. Donc soit ils ont des générations, ils ont très peu de rugby, c'est un énorme pays, le rugby est peu pratiqué, le rugby à 15, dans quelques endroits d'Australie. Donc soit ils ont une génération avec des joueurs forts et à ce moment-là, le rugby à 15 redevient un sport important, soit alors bah, ils sont logés à la portion congrue et c'est ce qu'ils ont eu sur cette Coupe du Monde. Ils ont changé de sélectionneur au dernier moment, il manquait des joueurs à des postes clés. Donc c'est pas... Mais bon, je dirais que c'est le lot commun des équipes d'Australie, hein. C'est comme ça le rugby australien. Sauf que c'est la première fois qu'une équipe d'Australie en 10 éditions de Coupe du Monde ne franchit pas le cap... Des poules, hein. C'est-à-dire que pour la première fois, il n'y avait pas d'équipe d'Australie en quart de finale de la Coupe du Monde. Juste pour compléter ce que disait Thomas, ce qu'il faut savoir, effectivement, il y a aujourd'hui de moins en moins de joueurs aussi au rugby à 15, parce que bah, pour les joueurs, mine de rien, l'aspect financier n'est pas négligeable et que bah, la sphère financière du rugby à 13 ou de l'Australian Rules est bien plus importante que celle du rugby à 15. La fédération australienne de rugby est en souffrance économiquement, ils ont peu de partenaires, ils ont peu de soutien financier et aujourd'hui c'est un vrai problème à l'échelle de World Rugby. World Rugby, c'est la fédération internationale, c'est un vrai problème, c'est-à-dire que dans sa quête de développement géographique, aujourd'hui on se rend compte que c'est bien beau d'aller évidemment développer le rugby au Kenya, au Pérou, en Chine, mais aujourd'hui on voit qu'il y a des bastions très forts du rugby international qui sont en souffrance et l'Australie en est un. L'Irlande, Arnaud, qui était première au classement mondial et qui s'effondre aussi. Les Irlandais, ils ont fait de l'Irish rugby, c'est-à-dire que 10 coupes du monde et jamais passé les quarts de finale, hein, Thomas, si je me trompe pas. C'est assez incroyable. Ce quart de finale, Irlande-Nouvelle-Zélande, à titre personnel, c'est pour moi la plus belle rencontre de cette Coupe du Monde en termes d'intensité, en termes de stratégie, en termes de physique, en termes voilà. Enfin, ce match, c'est le sommet. De ce qu'on peut appeler un grand match de rugby. Ça s'est joué à rien pour les Irlandais. Ça s'est vraiment joué à rien. Je crois que depuis maintenant 3 ans, cette équipe d'Irlande a trust le classement du rugby mondial à juste titre parce qu'elle a un rugby extrêmement technique, extrêmement programmé, peut-être trop programmé. Je pense que sur ce quart de finale contre la Nouvelle-Zélande, notamment, les Blacks avaient parfaitement analysé le système de jeu irlandais et ils ont réussi à trouver quelques failles. C'est une grosse déception quand même pour l'Irlande et c'est même une déception aussi, je dirais, pour l'hémisphère nord. Il faut savoir qu'en 10 compétitions, en 10 Coupes du Monde, à 9 reprises, les nations de l'hémisphère sud ont gagné la Coupe du Monde, et il n'y a qu'en 2003 où l'Angleterre a réussi à obtenir ce titre. Sinon, jamais une équipe de l'hémisphère nord n'a remporté la Coupe du Monde. Et c'est vrai que pour l'Irlande, c'est un véritable échec. Alors justement, Thomas, que le rugby reste toujours un entre-soi anglo-saxon. On le voit sur les 4 dernières équipes. Hein. Ouais. Oui, et ça reste surtout un sport confidentiel. À l'échelle mondiale, il faut. C'est pour ça que voilà, on a plein de débats qui tournent autour de la médiatisation, du financement du rugby, des questions qu'Arnaud évoquait sur World Rugby, comment on utilise l'argent. Mais en fait, on joue au rugby aujourd'hui. On joue au rugby en UK, en France, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, en Australie, un petit peu en Argentine et un petit peu en Géorgie. Terminé.
propos aller en Allemagne. Bon, Portugal, ok, ils ont fait une Coupe du Monde, mais enfin bon, ouais. Il y a cinq clubs de rugby dans tout le Portugal, donc c'est pas. Comment on l'explique ? Parce que c'est un jeu compliqué. Parce que c'est un jeu difficile. Ouais, parce que. Parce que c'est un jeu compliqué qu'on joue pas au rugby n'importe où. Et Dieu sait si on essaie de développer la pratique du rugby avec un rugby plus ludique, sans contact, etc. Mais les règles sont complexes. Alors, le ballon, l'image. Alors les gens adorent le rugby. Hein. Tu dis aux gens, est-ce que vous aimez le rugby ? C'est ce que un ancien président de Canal Plus disait quand on lui posait la question du foot versus le rugby. Il dit, pour Canal Plus, le foot, il est vital. Le rugby, il est important. Voilà ce que ça veut dire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu sais avant chaque Coupe du Monde qui sera demi-finaliste. Tu sais à peu près qui sera champion. Hein, une fois l'hémisphère nord, 9 fois l'hémisphère sud. Donc tu sais sur qui tu dois mettre ton argent. Et ce n'est pas demain que ça va changer, hein, je vous le dis tout de suite. Et alors justement, pourquoi ça ne changerait pas ? Est-ce que World Rugby n'aurait pas envie de simplifier les règles ? On le voit sur l'arbitrage, ça change tous les ans. On a des nouvelles règles qui arrivent, on ne comprend rien. La règle de l'année dernière, ce n'est plus la même. Donc on a souvent des problèmes aussi aux commentaires. Est-ce qu'il faudrait simplifier ces règles ? Ou est-ce qu'il faut quand même que ce rugby reste compliqué ? C'est ce qui fait la saveur de ce jeu. Je ne pense pas que ce soit un problème forcément de règles, puisqu'on voit que sur la Coupe du Monde, on en parlait au début, les gens regardent. Alors, ils ne comprennent pas tout, mais ils regardent. Et bien, je pense que si, d'ailleurs, il y avait de plus en plus de grands événements comme ça qui étaient organisés, ils regarderaient de plus en plus et ils se familiariseraient avec les règles. Je pense que c'est un sujet de pratique. C'est-à-dire comment on incite la pratique du rugby, comment le rugby repénètre le milieu scolaire, comment est-ce que le rugby qui est pratiqué dans beaucoup d'universités dans le monde, mais pas au niveau des clubs. Donc c'est des moyens. Sauf que là, on se heurte à la manière avec laquelle World Rugby appréhende les choses. C'est-à-dire qu'on fait de la communication et on fait de la politique en disant « Oui, on va aider le Pérou, on va aider l'Uruguay, on va aider les petites nations à se développer. » Mais ça, c'est faux. Pourquoi ? Mais parce qu'à la fin, c'est toujours les mêmes qui prennent l'oseille. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Après, à un moment, les Anglais, ils disent, voilà, c'est pour nous. Gentil, mais c'est pour nous. Mais oui, parce que les fédérations, elles sont exsangues financièrement. Donc on a là aussi un autre sujet de fond, c'est-à-dire qu'on doit se poser la question de savoir si le rugby vit au-dessus de ses moyens. Et le rugby vit au-dessus de ses moyens. Quand il y a trois clubs qui déposent le bilan en Angleterre l'année passée, quand l'Australie, on l'a dit, n'a plus d'argent, l'Afrique du Sud en a jamais eu, les mecs viennent tous en France jouer dans des clubs français parce que c'est l'Eldorado financier. Mais moi, je vous le dis, sur 14 clubs aujourd'hui dans le top 14, dans notre championnat d'élite, il y en a 5 qui sont soutenus par des mécènes. Des mécènes, c'est des mecs qui perdent sur leur fortune personnelle entre 5 et 20 millions tous les ans. C'est soutenable, ça, comme modèle ? Il n'y a aucun club aujourd'hui de top 14 qui ne gagne d'argent. Il y a un seul club en Pro D2 qui, l'an passé, a été bénéficiaire, c'est le RC Vannes. Voilà. Donc, ça, c'est notre réalité. Donc, avant de dire, il faut qu'on... Non, il faut qu'on vive un peu en phase avec ce qu'on génère comme argent. Et après, s'il y a une volonté de la part de World Rugby, parce que c'est pas parce qu'on perd à moins les joueurs demain ou qu'on fera un peu plus d'économies sur certaines choses... qu'on n'aura pas 1,5 million de personnes qui vont regarder la Coupe du Monde à la télévision. Après, je rejoins. Donc on générera l'argent et après l'argent, on le redistribuera différemment et on ira alimenter les fédérations des petits pays pour qu'ils se structurent. Enfin, c'est invraisemblable qu'un pays comme l'Allemagne, il n'y ait pas de rugby en Allemagne ou à un niveau, minable. Non, mais ils ont dû hand. Mais c'est comme le cricket. Vous parliez tout à l'heure du rugby, le cricket. C'est super compliqué, ça se pratique que dans certains pays, c'est l'Inde, le Pakistan, l'Angleterre, et ça ne se développe pas. Pour compléter quand même le propos de Thomas, World Rugby, en fait, effectivement, je partage complètement, c'est-à-dire que l'argent, dès lors qu'il y a une fédération anglo-saxonne qui est un peu en difficulté, l'argent va rester effectivement dans l'entre-soi. En revanche, ils aident quand même certains pays. J'ai eu l'opportunité il y a peu de rencontrer le sélectionneur du Portugal, Patrice Lagisquet, qui est un ancien entraîneur de Biarritz du top 14, qui a été plusieurs fois champion de France. Il m'expliquait quand même que World Rugby finançait assez largement la structuration, mais uniquement dans le cadre de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que, par exemple, ils ont profité de presque 2 millions d'euros pour avoir de la logistique, pour avoir une aide au coaching. Donc, ils ont eu des intervenants payés par World Rugby pour permettre la progression des joueurs. Mais la progression des joueurs, c'est la progression d'un groupe de 30 ou 40 mecs, pas plus. Or, aujourd'hui, World Rugby se targue de développer le rugby à travers le monde uniquement avec ces moyens-là. Et ils surfent aujourd'hui sur la victoire du Portugal face aux Fidji, qui est
quelque chose d'assez extraordinaire. Ça a été une vraie surprise et une petite douceur, une petite pastille sucrée, vous voyez, dans cette compétition, parce qu'il y avait finalement assez peu de surprises. Comme le disait Thomas, on sait qui va être en demi-finale avant même le début de la compétition. Donc World Rugby, en fait, communique très bien en disant, voilà, on aide les nations, mais on les aide finalement pour la face immergée de l'iceberg. Mais World Rugby ne développe pas de fonds pour aller développer un championnat de rugby au Portugal. Il ne développe pas non plus de fonds pour aller développer un championnat de rugby en Chine ou ailleurs. Et en fait, c'est là qu'il faudrait aller. Sauf que, comme le disait Thomas, aujourd'hui, le rugby n'en a pas les moyens. C'est pas forcément le rôle non plus de la Fédération internationale. Ça peut être aussi le rôle des ministères, enfin des politiques publiques, oui, sportives de chaque pays, ouais, de, mais de si prendre pas, ces décisions-là. Si c'est pas fait, tu dois te pencher sur la question. Et à dire, tu dois appréhender le problème différemment en disant, voilà, si c'est aujourd'hui, c'est les terrains qui manquent. Eh ben, World Rugby doit financer les terrains. Prends l'exemple de Paris, il n'y a pas de terrain à Paris. Voilà. Donc nous, on est un club, le Stade Français, on a des jeunes qui s'entraînent, il y a 3 équipes sur le même terrain. Et on est en France. Alors imaginez, dans des plus petits pays qui participent à la Coupe du Monde, les mecs ils disent, ouais, mais nous on aimerait bien, mais il n'y a pas de terrain. Ça, c'est des vrais sujets. Sportivement, Quel enseignement on va tirer de cette compétition rapidement? Après, on va parler des médias, de la notoriété. Qu'on peut, mais que le très haut niveau, c'est des détails. C'est ce que les Anglais appellent les gains marginaux. Donc voilà, donc ils vont travailler sur ce qu'ils savent faire depuis 3 ans déjà, c'est-à-dire à peaufiner le jeu de cette équipe de France, à renouveler certains joueurs qui potentiellement ne pourront pas aller jusqu'à la Coupe du Monde 2024. Et puis, ils ont un cycle voilà, pour se préparer, pour aller en Australie, gagner la compétition. Et surtout, se dire que voilà, ce qu'ils auront appris sur ce quart de finale, il faudra que ça leur serve pour quand ils seront en quart de finale, parce qu'on y sera dans 4 ans, rassurez-vous là-dessus, bah, pour ne pas se faire avoir si on doit rejouer l'Afrique du Sud ou Pierre-Paul Jacques. Et là, on aura progressé. Et pas de se dire, ah, ça y est, c'est bon, on a réglé tout le monde, on va gagner la Coupe du Monde. C'est un peu ce qui s'est passé en caricaturant. On a la chance en fait d'avoir une équipe de France qui est quand même relativement jeune et que aller à 75-80% des joueurs qui composaient cette équipe de France en 2023, on va retrouver peu ou prou les mêmes joueurs en 2027 en Australie. Donc l'expérience collective acquise durant cette compétition et dans les 4 prochaines années, elle va forcément être utile. Et on l'espère évidemment que le sélectionneur Fabien Galthié aura tiré des leçons de ses erreurs, enfin de ce que nous on pense être ses erreurs, mais ce que lui dit. Je prends juste un tout petit exemple qui vaut ce qu'il vaut, mais regardez le foot. Le foot, on a été champion du monde 2 fois. D'accord ? La dernière Coupe du Monde de foot, Deschamps, il a une avalanche de blessés, mais une avalanche de blessés, dans les 3 semaines à mois qui précèdent la Coupe du Monde. Ben, les mecs, ils vont quand même en finale. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils peuvent le faire. Nous, on n'a jamais gagné. Donc à un moment. On a été plusieurs fois en finale. Oui, mais on n'a jamais gagné. Quand tu as gagné, ça change. Mentalement, ça change les choses. Le fait de passer à plus d'équipes sur la prochaine Coupe du Monde, bonne idée, pas bonne idée ? Énorme connerie. Pas mieux. Okay. Ben, on joue déjà 2 mois. Ça prend déjà 2 mois, la compétition. C'est trop long, le format. On peut pas le réduire. C'est juste de toute façon. Le nom du pognon, on va pas se mentir. Pourquoi on rajoute 4 équipes ? C'est que ça fait plus de matchs. Pour remplir des stades, on passe de 20 à 24 donc équipes. Donc on va avoir une compétition. Et ça fait plus de équipes. Matchs à vendre aux diffuseurs, donc plus de rentrées d'argent pour World Rugby. Donc eux, l'argumentaire des dirigeants de World Rugby. Nous, on les paiera plus longtemps pour qu'ils ne soient pas là. C'est ça. Il y a une question, je te donne la parole dans un instant. Juste avant, votre coup de cœur. On n'a pas parlé de tout, mais s'il y avait un coup de cœur pour vous, Thomas, dans cette Coupe du Monde, un joueur, une équipe, ça serait lequel ? Ouais, j'ai bien aimé les Fidji. Après, le problème, c'est que je pensais que pour une fois, ils allaient avoir le. Les Fidjiens, si vous voulez, c'est l'archétype du joueur de rugby. C'est les mecs qui savent tout faire. Ils sont plus forts, ils sont plus rapides, ils sont plus doués, plus techniques, tout ce que vous voulez. Sauf que le rugby, à un moment, c'est aussi un sport où tu joues avec la tête. Et ils ont, sur 15 joueurs, ils ont 13 des meilleurs joueurs du monde. Et ils ont 2 postes, 9 et 10, où malheureusement, alors en plus ils ont eu un blessé juste avant le début de la compétition, ils manquent de maîtrise, d'adaptation, de gestion. Et ça leur coûte très cher, parce que je pense que s'ils avaient la charnière de l'équipe d'Angleterre ou de l'équipe d'Afrique du Sud, bah les Fidjiens, ils seraient probablement en finale de la compétition.
le joueur qui vous a le plus impressionné ou marqué, votre meilleur joueur de cette compétition ? Meilleur joueur de la compétition, je dirais peut-être Damien Penaud, qui a été pour meilleur joueur français ? Tout confondu. Tu vas dire De Clercq, tu vas te faire assassiner. Alors, le meilleur joueur de la compétition, pour moi, c'est Savea. C'est le Hardy Savea, c'est le troisième ligne néo-zélandais. Ouais, je rejoins Thomas Hardy Savea. Et en revanche, puisque tu ne m'as pas posé la question, je vais quand même donner mon coup de cœur. Moi, mon coup de cœur, il est pour l'engouement populaire. Parce que je crois que dans une période un peu trouble, je ne vous apprends rien, où la société vit quand même des heures un peu compliquées, je crois que de voir l'ambiance qu'il y avait dans les stades, de voir la fraternité qu'il pouvait y avoir entre les différentes nations, entre les différents supporters. C'est quelque chose qui a été extrêmement plaisant, extrêmement rafraîchissant. Et ça, c'est un vrai succès pour le rugby parce que malheureusement, on ne voit pas ça dans tous les sports. On ne va pas faire ça versus le foot. Mais c'est vrai que de pouvoir aller au stade en famille, tranquillement, partager des moments d'échange... avec des gens qui viennent d'Afrique du Sud, avec des gens qui viennent des Fidji, avec des... voilà, c'était, pour moi, c'est le vrai coup de cœur de cette Coupe du Monde. Et vraiment, il faut espérer et il faut œuvrer pour que le rugby garde cette forme d'atypisme, parce que malheureusement, parfois, il y a des débordements qui sont pas tolérables dans la sphère sportive. Alors, transition toute trouvée. Est-ce que la France a convaincu dans cette organisation à quelques mois des Jeux Olympiques ? Est-ce qu'elle avait encore besoin de convaincre ? Bah, voilà, il y avait quand même des problèmes sécuritaires qui auraient pu apparaître. Un début compliqué, les hymnes qui étaient moyennement appréciés, pas toujours très bien interprétés, une cérémonie qui n'a pas fait l'unanimité à l'étranger. Oui, mais ça marque bien, quand même. Il faut on en parlait tout à l'heure. On ne peut pas faire l'unanimité. Voilà, la cérémonie d'ouverture, les hymnes, ça plaît pas, mais on s'en fout. Au moins, on a fait quelque chose qui était nouveau. Alors, quand tu amènes de la nouveauté, quand tu crées quelque chose, parfois on te le reproche, d'autres fois on le salue, peu importe. Au moins, on a fait quelque chose dont on était convaincu que c'était le français. Il faut être fier de son pays, Arnaud l'a dit. Moi, je pense qu'on peut encore d'ailleurs, on peut encore d'ailleurs faire mieux. Quand on parlait tout à l'heure de l'équipe d'Irlande. Quand je vois le peuple irlandais qui s'est déplacé au Stade de France, c'est phénoménal. 50 000 mecs qui viennent, ça c'est une nation, ça c'est un pays, ça c'est être fier de ce qu'on représente. On n'est pas encore capable de faire ça en France. J'espère qu'on le saura, on le saura dans quelques années, mais on est encore un peu loin du compte. Nous, on se mobilise sur l'émotion, quoi. Voilà, ponctuellement. Et puis après, ça redescend, puis ça remonte, puis ça redescend. Mais pour revenir sur ta question, oui. Ça a été une formidable répétition. Ça a été la preuve que, oui, même s'il y a eu avec la finale de la Coupe de l'UEFA, il y a eu quelques incidents en France. Globalement, on est parmi les meilleurs pour organiser des événements de ce calibre. Ouais, la sécurité est au rendez-vous. Donc les petits couacs du début, manque de bière, les supporters bloqués à Marseille, c'était pas bien grave. Est-ce que l'échec des Bleus aura aussi un impact sur les licences, sur les licenciés, sur le fait qu'il y ait moins de public dans les stades? Est-ce qu'on peut quantifier ça ou pas ? La meilleure pub pour le rugby, c'est quand l'équipe de France gagne. Quand l'équipe de France gagne, j'ai envie de te dire, le rugby français va bien. Pendant des années, l'équipe de France ne gagnait pas un match. On n'avait que des défaites encourageantes, pour reprendre une expression d'un ancien sélectionneur. Quand l'équipe de France gagne, tout va bien. Alors certes, il y a une augmentation, on voit depuis début septembre, du nombre de licenciés. Elle est finalement anecdotique. On est à côté, j'ai pas les chiffres exacts, puisque en moins fait. Moins d'un million Largement. Le rugby français, aujourd'hui, c'est 300 000 licenciés. Ouais. Donc on est la Fédération française de rugby, à l'échelle des fédérations sportives en France, c'est la dixième fédération. Ouais. C'est le dixième sport le plus pratiqué. Devant, par exemple, on a l'équitation. Équitation, judo, même l'UNSS qui est avec un million et plus de licenciés, tennis, évidemment. J'ai perdu le fil de la question, c'était ? La question, c'était... C'était les licenciés. Ton sujet, c'est la rétention. En fait, c'est un épiphénomène qu'on observe à chaque fois qu'il y a une équipe de France ou un grand événement. Derrière, tu as... je ne sais pas combien de milliers de gamins qui se disent « Ah, papa, maman, ou qui disent « Papa, maman, je veux faire du rugby, je veux faire du foot, je veux faire du hand ». Ils y vont, et en fait, derrière, on en perd 80%.
Ça a été le cas en 2007 lorsque la France avait organisé la première Coupe du Monde sur son territoire. Il y avait une augmentation de près de 40% du nombre de licenciés. Ouais. Et l'année suivante, sur ces 40%, on en avait perdu 80%. Je pense qu'il y a une volatilité qui est, contre laquelle on ne pourra rien. Et deuxièmement, on a un manque de structure. J'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que si tu n'as pas les éducateurs, si tu n'as pas les terrains, au bout d'un moment, les mômes, quand ils viennent, que tu les mets pendant une heure sur le bord de la touche parce que tu ne peux pas les faire pratiquer, ça les fait chier. Et puis, ils restent chez eux. Mais c'est sûr que si la France avait été championne du monde, il y aurait eu un pic, un rebond au niveau des licenciés. Et des spectateurs dans les stades. Et des spectateurs dans les stades. Ça, c'est le directeur général qui fait les comptes chaque week-end à Jean-Bouin. Mais on en parlera après, parce qu'il y a justement une table ronde sur l'économie. On reviendra. Vous parliez tout à l'heure du nombre de téléspectateurs. On a eu un pic à 18,4 millions sur le quart de finale, avec des audiences... c'est pas une audience record, mais c'est pas mal. Et pour un investissement de 140 millions d'euros bruts dépensés pour les chaînes de télé, donc pour les sponsors notamment. Vous y reviendrez dans un instant. Question dans la salle. Vas-y, je te donne la parole. Ça marche. Ok. Bonjour à tous. Stéphane Sorindo, donc ISFJ, côté journalisme. J'ai une question collégiale, mais surtout sur la couverture médiatique de la Coupe du Monde, et plus spécialement post-Coupe du Monde. On a observé Richard Dourt qui ces derniers jours a littéralement détruit Fabien Galthié suite à son silence post-Coupe du Monde. Pourtant, le sélectionneur est sur une pente ascendante dans les résultats sur les 3-4 dernières années, comme vous avez bien fait de le rappeler. Est-ce que le rugby ne serait pas en train de tomber dans l'immédiateté du résultat, comme on voit dans le football à l'heure actuelle ? Alors d'abord, juste pour rebondir sur Richard Dourt. Est un personnage. Voilà, c'est un personnage, truculent, qui magnifie peu la langue de bois. Maintenant, ce que Richard Dourt n'a pas forcément compris, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est que Fabien Galthié, il ne s'adresse pas aux spécialistes de rugby. Il sait que ces gens-là, de toute façon, ils seront dans les stades. Il sait que ces gens-là seront toujours derrière l'équipe de France. Il s'adresse, Fabien Galthié, aux Français. Donc forcément, sa conférence de presse, Richard Dourt, il est ressorti de cette conférence de presse totalement frustré, totalement... il n'a rien appris, en fait. Il est déçu que... Voilà, pour lui, il espérait une remise en cause. Il espérait entendre Fabien Galthié dire « J'ai raté ma Coupe du Monde, j'ai commis des erreurs. » Il voulait le voir se flageller sur la place publique. Il avait envie de ça parce que je crois qu'il avait une énorme frustration, mais comme... Thomas, comme moi, comme tout le monde, pour tous les passionnés de rugby, ce quart de finale, le lendemain, on avait tous le cafard, on était tous au fond du seau. Donc ensuite, pour répondre à la question, je pense que Thomas pourra t'éclairer davantage, puisqu'il est à la tête d'un club de top 14. Évidemment qu'aujourd'hui, les présidents, ils veulent des résultats immédiatement. On le voit, Patrice Collazo, l'entraîneur de Brive, a été viré hier matin, alors qu'il est arrivé il y a 6 mois, parce que ça ne tourne pas. Il y a des clubs qui laissent du temps, il y a des clubs qui en laissent moins. Tout dépend de la personnalité du président, de l'investissement du président. Mais je te rejoins assez, il y a un côté très football. C'est comme on voit apparaître très football. On est encore quand même assez loin, mais on s'en rapproche petit à petit. On le voit aussi avec le système des transferts. En rugby, normalement, il n'y a pas de transfert. Les joueurs... Pour 98 ou 19%, je parle sous le contrôle de Thomas, ils vont au bout de leur contrat. Mais on commence à voir quelques rachats de contrats. Il y en a un actuellement. Il y a Melvin Jaminet qui risque de passer de Toulouse à Toulon alors qu'il n'est pas du tout en fin de contrat et il va le faire peut-être même en cours de saison. Donc oui, pour rejoindre ta question, l'immédiateté du résultat, elle est de plus en plus forte. Et oui, parce que c'est l'analogie que tu fais un peu avec le football, je crois qu'il y a quelques parallèles à dresser avec le football et je pense qu'il faut mettre en œuvre des choses pour éviter cette dérive. Pour moi, plus court et plus simple. Fabien Galthié, il défend son poste. Il défend sa politique. Richard Dourt, il est sur un plateau de télé et à un moment, il faut envoyer, quoi. Mais c'est la réalité. Et d'ailleurs, le rugby cherche le pendant d'un certain Pierre Ménez au foot, alors qui n'est plus à Canal pour des raisons qu'on connaît tous. Mais ça veut dire qu'on est aussi dans un monde aujourd'hui où il faut trouver de l'aspérité. Il faut trouver des mecs qui vont aller peut-être un peu trop loin. Parce que ça fait quoi ? Ça fait des clics, ça fait des vues. Et peut-être que tu as certainement vu l'émission, mais si tu n'avais pas vu l'émission, en tout cas, moi, il y a un tas de gens qui m'ont parlé de ça, ils ne connaissent pas le rugby, mais ils ont vu sur les réseaux sociaux Richard Dourt qui dit « il nous prend pour des cons ». Ah, c'est extra... Voilà.
Donc c'est aussi le monde dans lequel on vit. Et à un moment, chacun voit midi à sa porte en fonction de la position dans laquelle il se trouve. C'est le business des médias aussi. Voilà, il ne faut pas qu'on fasse que des clics, mais tu cherches la punchline. C'est pour ça que nous, on avait travaillé avec Arnaud, avec un Mourad Boudjelal et Jean Balafon, parce que tu sais qu'ils vont te sortir le truc à un moment donné, qui va faire, non pas vendre, mais c'est un petit peu ça, quoi. C'est normal. Après, on fait du sport et l'immédiateté des résultats, c'est ce qu'on attend aussi. Hein. Je veux dire, t'as un résultat, t'en parles directement. Arnaud est dans un média où ils annoncent beaucoup de transferts. Voilà. Certains se font, d'autres se font moins. Voilà pourquoi des fois il me refuse. Et il les annonce. Il me refuse des interviews parfois parce qu'il n'est pas content quand on annonce un transfert. Alors bonjour. Désiré Camara de l'ISFJ, journaliste. J'ai trois questions. Alors en fait, j'avais la première. C'est beaucoup ça. Ouais, bah, la première déjà, on verra. C'est mon travail. Bien. Alors premièrement, je voulais savoir dans tous les sports, pourquoi la France n'est pas justement un pays de sport ? Comment pouvez-vous expliquer vous cela ? La deuxième question, ou d'abord je laisse répondre la première. Ouais, je connais bien le sujet, mais je vais vous laisser répondre si vous avez des idées. Mais pour animer pas mal de choses sur les Thomas le a déjà sport un peu sociétal, répondu. Oui. Je suis assez d'accord avec toi. La France n'a pas une nation. Pardon ? Tu me laisses pas répondre en fait. Non. Non. Bon, après. Vas-y. Non. Okay. En plus c'est rapide. C'est juste Thomas l'a dit. La France n'est pas une nation de sport parce que d'abord on manque d'infrastructures. On attend d'organiser des compétitions. Y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mais c'était un élément de réponse. Donc, tu avais déjà un premier élément. Mais je vais laisser Géraldine développer thèse en synthèse. Non, mais il y a une longue histoire de culture française qui remonte vraiment au XVIIe siècle, XVIIIe siècle. On est un pays, le pays des philosophes. On est un pays de culture, de tradition culturelle. Et effectivement, dans cette tradition-là, le sport était un petit peu mis de côté. Et on ne l'a pas entretenu à l'école. À l'inverse, d'autres pays, et notamment les anglo-saxons, qui considèrent qu'un esprit sain dans un corps sain, c'est important, etc. Donc, ils avaient une promotion du sport à l'école, et ça commence par là. Et en fait, à l'école, pendant très longtemps, dans l'école française, on n'avait pas cette volonté de mettre les élèves au sport, etc. Donc, c'est resté aussi ancré dans les mentalités, ce qui explique qu'on est très en retard sur pas mal d'autres pays qui ont mis le sport dans des politiques volontariste de pouvoir promouvoir le sport dès le plus jeune âge. Voilà, c'est tout. On est très en retard. Et là, le gouvernement français prend des choses. Là, mais ça fait déjà 10-15 ans que les différents ministres des sports mettent en avant ce boulot-là, qu'on fait des choses. On a les 30 minutes de sport quotidien à l'école. Et puis après, on a un autre problème aussi, c'est qu'une fois que tu fais du sport à l'école, c'est bien, mais il faut trouver un relais dans les clubs. Et voilà. Et là, je rejoins ce que disait Thomas, c'est que les clubs, ce sont des bénévoles, c'est des gens qui s'en occupent, c'est des éducateurs qui donnent de leur temps. Il faut non seulement des infrastructures, mais du personnel, et que c'est pas dans la mentalité française aussi de faire ça. Donc, on est très en retard sur d'autres pays. Voilà. D'accord. Mais donc, est-ce que c'est possible quand même avec le temps d'avoir une évolution ou on va rester figé Mais c'est pour ça aussi qu'on a les Jeux Olympiques. On va pas rester figé. Ça me permet de faire une projection justement, parce que vous avez parlé de. La Coupe du Monde de rugby, que par exemple au niveau économique, c'était pas trop ça. Pourquoi que c'était pas trop ça au niveau économique, malgré l'organisation, le fait qu'il y ait eu des autres nations, des supporters d'autres nations qui soient venus Ils n'ont pas dit que c'était pas trop ça, mais je pense que oui. Disons qu'on n'a pas encore de toute façon les bilans définitifs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand un pays obtient l'organisation d'une Coupe du Monde, en fait, on l'achète, on la paye. Pour donner un exemple. Dans les stades, vous savez, il y a des loges. Oui. Ces loges, en fait, elles sont commercialisées. Jusqu'à présent, c'était commercialisé par la Fédération internationale, en tout cas par sa branche commerciale. Pour cette occasion, France 2023, l'organisateur donc français, a décidé d'acheter ce programme d'hospitalité et de le commercialiser lui-même. D'accord. Ce qui a été plutôt... Au départ, on pensait que c'était une bonne idée. On nous avait vendu des chiffres assez pharaoniques. Thomas en avait parlé à l'époque, qui paraissaient peut-être un petit peu trop ambitieux. On se rend compte qu'effectivement, c'était 10 fois trop ambitieux, notamment parce que, en plus, en quart de finale, l'équipe de France ayant perdu, ses hospitalités, elles ont été un peu délaissées sur les demi et sur la finale, alors que c'est normalement là où ça devient très rentable parce qu'on les vend très très cher. Donc, il faut savoir juste que, d'abord, juste avant même d'avoir commencé à organiser quoi que ce soit, on a versé une énorme somme d'argent à la Fédération internationale. Et on a souvent le plus beau dossier, mais on ne gagne pas souvent. Si ça vous parle ? Oui, bien de la Noé, on avait le plus beau dossier. C'est la même chose. Alors là, on avait le plus beau dossier, mais on a gagné. Enfin, quoique. Et on a réussi à gagner. Mais sauf qu'à la fin, le business, c'est du business. Et il faut faire le business à des gens qui font du business. Ce qu'on n'a pas fait. Donc à la fin,
Ben voilà, on leur a organisé une Coupe du Monde. Et même si on avait gagné, on n'aurait pas gagné l'argent qu'on aurait pu gagner. Pas que, je ne vais pas dire qu'on aurait dû gagner, mais qu'on aurait pu gagner. Et pour répondre à ta question, pourquoi est-ce que ça va changer ? Oui, on l'espère, c'est ce que fait le gouvernement français, c'est ce que veut faire le COJO. L'idée, c'est qu'après ces Jeux Olympiques, on laisse un héritage. L'enjeu essentiel, c'est de remettre les Français au sport. C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'on a pris les Jeux aussi. C'est faire rayonner le sport en France et donner envie aux gens de se remettre au sport, parce que c'est un vrai enjeu sociétal pour le pays. Et une fois qu'on aura redonné l'envie aux gens de faire du sport, on équipera aussi l'espace pour qu'on trouve tous ces accès plus facilement. C'est un débat plus profond sur la considération du sport et du sportif. Moi, j'ai joué 3 ans en Angleterre. Mes gamines, elles ont été à l'école en Angleterre. Elles faisaient des cours le matin, du sport, des activités physiques l'après-midi, pour exactement le même niveau d'acquisition que des gamins qui vont à l'école de 8h30 jusqu'à 16h30. Évidemment, quand elles sont revenues en France, quand je les récupérais à l'école à 16h30, c'était des avions de chasse. Il fallait que j'aille les faire tourner pendant 2 heures au stade. Mais, et après, on a la perception du sportif. Le sportif, historiquement, c'est bien que tu fasses du sport, mais comme le disait Géraldine, fais plutôt des études. Et c'est pas faux. Sauf que on construit un modèle où, en fait, tu as des polarités. Et soit tu inverses les polarités, soit alors tu restes sur tes prérequis de départ en disant le sport, ça sert à rien, il faut développer que l'intellect. Sauf que l'intellect, et l'expérience te le montre, ce qui se passe à l'étranger, tu peux aussi le développer sur d'autres secteurs, et notamment celui du développement physique, des activités motrices, etc., de l'individu. Et tu as des gamins qui vont développer facilement l'intellect, d'autres moins, parce qu'ils ont besoin d'avoir justement cette dépense physique, cette dépense énergétique que tu leur donnes pas en France. Donc, il faut changer. Mais j'aime autant te dire qu'avant qu'on change, il y a encore une paire d'années qui vont s'écouler. J'ai une dernière question. Très vite, parce qu'il y a deux autres questions. Ça marche. C'est juste pour vous demander, est-ce que si la Coupe du Monde de rugby, par exemple, avait lieu l'été, est-ce que au niveau touristique, au niveau économique, ça aurait été... C'était plein. Sauf que je te prends un exemple. Quand tu vas manger au restaurant, ouais, tu prends une entrecôte frite. Ça vaut à peu près, moyenne, ça vaut entre 20 et 25 euros. Ben nous, on a payé l'entrecôte frite 45. Donc forcément, ben, au bout d'un moment, même si la vue était belle et tout, ça fait un peu cher l'entrecôte frite. C'est ça le problème. C'est qu'on a payé trop cher ce qui allait nous permettre de rapporter de l'argent quand on l'a revendu derrière. Donc à la fin, il ne reste pas grand-chose. Question là-bas. On en prend juste 2 dernières et puis après, on fait une pause avant la 2e table ronde. Antoine Michel, PPA Sport. J'avais une question par rapport en fait aux équipes jeunes de l'équipe de France. Par exemple, on sait que l'équipe de France est championne du monde 2 fois d'affilée. On sait qu'ils font des super résultats. Pourquoi ils n'arrivent pas à avoir cette expérience-là du coup qu'ils ont eue chez les générations jeunes, chez les plus grands ? Bah, ils l'ont. La preuve, c'est quand tu fais passer des joueurs de l'équipe de France des moins de 20 ans à l'équipe de France ou au top 14, ils s'acclimatent en instantané presque. Donc ça veut dire qu'ils sont rompus à l'exercice du haut niveau. Ils ont 19 ans, ils ont joué dans des stades de 15 000, de 20 000, ils ont fait des Coupes du Monde, ce qui n'était pas le cas il y a 25 ans. Donc, sauf que le développement et l'acquisition de l'expérience, ça se fait aussi sur la durée, de la vraie expérience, celle qui te fait gagner les matchs de Coupe du Monde. Alors nous, on se rend compte que on forme, et ce qui est déjà remarquable, on forme des joueurs capables d'aller au très haut niveau en un laps de temps hyper court. Sauf que pour gagner les matchs de très très haut niveau, tu as encore du chemin à parcourir. Et c'est probablement ça qu'on n'a pas su totalement maîtriser. L'intervalle de temps qu'il y a entre l'équipe de France des moins de 20 ans et le haut niveau et un affrontement face aux champions du monde en titre sur un match éliminatoire. Donc rendez-vous dans 4 ans peut-être. Dernière question. Oui, bonjour. Bonjour. Azdine Abouel-Dab, étudiant à l'ISFJ en 4e année. Vous parliez tout à l'heure de starification des joueurs de rugby avec Antoine Dupont. Je comprends le parallèle avec le foot, mais je trouvais ça dommage de dissocier justement les valeurs du rugby avec Antoine Dupont. Pourquoi ? Je prends l'exemple notamment du MMA avec Cédric Doumbé, où c'est un sport énormément à la mode en ce moment. Et Cédric Doumbé a, lui, justement, réussi à créer a réussi à être une star et a même ramené Kylian Mbappé lors d'un de ces événements. Donc je trouvais ça dommage de dissocier les valeurs du rugby avec Antoine Dupont. Est-ce que vous trouvez ça, enfin,
Mais là, c'est le côté, enfin, c'est les journalistes qui vont te répondre. Aujourd'hui, quand tu as un média que tu dois faire marcher, c'est du business. Voilà, nous, on est des médias, nous, c'est une chaîne privée. Un papier, il faut le vendre. Donc, tu ne peux pas parler des 15 joueurs de ton équipe ou de tes 23 joueurs. C'est pas possible. Je vais te redonner le chiffre que j'ai donné tout à l'heure. Sur la totalité de la compétition, le site internet midiolympique.fr a fait 33 millions de pages vues. Sur la seule journée de l'opération d'Antoine Dupont, on fait 7 millions. Tu vois le... Donc, il y a un moment, on n'est pas des philanthropes. Il faut faire du clic, entre guillemets. Donc, sans tomber, évidemment, dans le populisme et tout ça, on va vers les sujets qui vont intéresser les lecteurs. Et durant cette Coupe du Monde, ce qui intéressait les lecteurs, c'était la santé d'Antoine Dupont. On en a fait un feuilleton. C'est vrai qu'on a feuilletonné sur ce sujet peut-être un peu trop. Ça, j'entends ce que dit Thomas. Évidemment qu'on est loin des valeurs du rugby, qu'on est loin de ces valeurs de travail collectif, de solidarité, d'entraide, voilà, quelque chose de très fort en milieu du rugby. On dit souvent dans le rugby que la star, c'est l'équipe. Mais il y a un moment, quand l'équipe ne performe pas, ce qui a été le cas pendant 10 ans en équipe de France, on a cherché des têtes d'affiche. Ces têtes d'affiche, on ne les avait pas. Aujourd'hui, on en a. On a plusieurs têtes d'affiche. On a Antoine Dupont, évidemment. Après, Thomas l'a dit. On a des garçons comme Mathieu Jalibert. On en a d'autres comme Romain Ntamack, Grégory Aldrit. Sauf que pendant cette Coupe du Monde, effectivement, alors c'était peut-être un peu too much, mais la santé d'Antoine Dupont était devenue capitale et intéressée bien au-delà des frontières du rugby. Et je suis sûre que tu vas voir ton rédacteur en chef en lui disant « J'ai un super papier, j'ai rencontré la maman de Maxime Lucu qui veut nous faire une interview. » Je pense qu'il t'aurait dit « Ouais, super, mais on ne passera pas maintenant. » Voilà, parce que c'était pas l'urgence, parce qu'on est... Il faut que tu arrives à doser à un moment donné ce qui va intéresser le maximum de personnes, quelle est l'actu. Voilà, donc tu fais des choix. Moi, je pense que tu peux maîtriser ça, à condition que tu aies une raison d'être, et c'est un mot à la mode en ce moment, et des valeurs qui soient clairement définies. Et pour moi, c'est le sujet du rugby aujourd'hui et demain. C'est-à-dire que le rugby, on dit, c'est un sport de valeur. Déjà, moi, je te mets au défi de me trouver 10 joueurs de rugby qui vont te citer les mêmes valeurs. Ensuite, si je te prends une valeur qui ressort souvent, c'est le respect. Moi, la manière avec laquelle je considère le respect, c'est pas la même probablement que vous. Ou c'est pas la même que les jeunes qui jouent au Stade français, chez moi aujourd'hui. On parle pas de la même chose. Mais si on fait pas ce travail-là, on peut pas savoir ce qu'on veut. Donc, est-ce qu'on veut un Antoine Dupont? Est-ce qu'on veut un Mathieu Jalibert? Est-ce qu'on veut un Tartampion? On n'est même pas capable de définir ça. Qu'est-ce que c'est notre raison? À quoi on veut ressembler? Quel message on veut envoyer à la population? Quel message on veut envoyer sur le terrain, à nos adversaires? Ça, c'est un travail de fond que le rugby ne peut pas faire l'économie de ne pas faire. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Donc, on ne sait pas, ou on sait à peu près, c'est pas clair, c'est pas partagé par tout le monde. Donc bah forcément, il y en a qui vont vous dire comme vous, comme nous aujourd'hui, ouais, c'est pas mal, puis ça, c'est pas bien. On ne parle pas d'une seule voix. Si on ne parle pas d'une seule voix, bah forcément, au bout d'un moment, c'est la cacophonie. Tout le monde donne son avis, comme Richard Dourte, comme moi, comme Arnaud, comme Géraldine. Et puis, sauf qu'on n'avance pas. Donc tu dois avoir cette réflexion globale qui est à mener. Alors c'est évidemment un sujet politique. Entre la Ligue, entre la Fédération, à quoi on veut que nos joueurs professionnels ressemblent, à Cristiano Ronaldo, à Mbappé, à Messi, je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de le définir seul. Mais c'est la question qui entoure en fait tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que si tu les laisses dans l'inconnu, bah, les joueurs, à un moment, ils réfléchissent. Et ils savent qu'ils ont 10 ans à jouer et qu'Antoine Dupont, bah, il comprend vite que si, même si ce n'est pas sa cam, mais s'il a 150 000 followers sur Twitter... Bah, il peut vendre pour 15 000 ou pour 20 000 à une marque, une petite publicité. Et il va se poser la question, parce qu'il y a dans 10 piges, je serais peut-être content d'en avoir mis un maximum de côté. Merci pour vos réponses. Et on va arrêter cette table ronde. Merci beaucoup, merci aux invités. Je pense que vous pouvez les applaudir. Vous pouvez applaudir Thomas et Arnaud. Merci beaucoup à tous les deux. Et on vous laisse Arnaud pour la deuxième table ronde consacrée. Alors on va remercier.